Je décore les fonds marins de mes couleurs vives. Je suis un animal connu, mais peu compris. Je sers de refuge à de nombreuses espèces. Je suis le corail. Qu'il soit dur ou mou, blanc ou coloré, qu'il vive en solitaire ou en colonie, le corail est un concentré d'originalité. Cet animal marin est l'un des plus vieux de la planète. Pourtant, ces magnifiques forêts sous-marines sont aujourd'hui en grand danger face au réchauffement climatique. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le corail et une plante verte? En effet, tous les deux grandissent grâce à l'énergie de la photosynthèse. Les coraux, ils ont la particularité d'abriter dans leur tissu des petites algues qui sont appelées zooxanthelles. Et la particularité de ces algues, c'est qu'elles vont faire la photosynthèse, donc elles vont produire de la matière organique grâce à la lumière du soleil, et elles vont transmettre en fait cette matière organique au corail. Et ça va lui permettre de se développer et de former un nouveau squelette de carbonate de calcium. Il grandit tout doucement, c'est vrai? On distingue deux types de coraux, il y a des coraux durs et des coraux mous. Les coraux durs, c'est ceux qui ont la particularité de former les récifs coralliens, parce qu'ils ont la propriété de former un squelette de carbonate de calcium, alors que les coraux mous, pas du tout. Ils ont le corps complètement mou et ils n'ont pas la possibilité de former des récifs coralliens. Il y a des espèces qui ont une croissance très lente de seulement 1 cm par an et des coraux, au contraire, qui peuvent avoir une croissance beaucoup plus rapide, qui peut aller jusqu'à 12 cm par an. Comment se reproduit-il ? La ponte massive des coraux a lieu seulement sur quelques nuits dans l'année, lorsque la température devient suffisamment haute, c'est-à-dire pendant l'été austral. Et on observe plus particulièrement que cette ponte, elle a lieu juste après la pleine lune pendant l'été austral. Et pendant cette nuit un petit peu particulière, tous les coraux, ils vont émettre leurs spermatozoïdes et leurs ovules dans l'eau, et donc ça va former de nouvelles larves.